y a 4 ans de cela, fut votée par le Parlement haïtien la loi portant sur la création du Service national de gestion des résidus solides, SNGRS. Placé sous la tutelle du ministère de l'Environnement, avec pour mission principale de collecter, de gérer, d'éliminer et de valoriser tous les déchets solides dans tous les départements et toutes les communes du pays. Vous comprendrez donc l'importance de la cérémonie d'installation d'aujourd'hui, car il s'agit bien d'une institution hautement stratégique pour le pays, pour le ministère de l'Environnement, qui pilote la politique nationale de gestion des déchets, mais aussi pour le gouvernement dirigé par le Premier ministre Dr. Ariel Henry, qui a fait de la gestion des déchets une priorité absolue, en vue d'assainir nos rues et nos quartiers, et par-dessus tout, garantir un cadre de vie amélioré et sain pour l'ensemble de la population. Monsieur Germain Polémont, j'ai l'honneur au nom du PM Ariel Henry de vous installer officiellement dans vos fonctions comme le nouveau directeur général du SNGRS. Les attentes autour de vous sont énormes. Les défis à surmonter sont nombreux et divers. Cependant, je veux croire que vous réussirez par vos expériences. Grâce à votre sens de l'État également, votre sens de responsabilité, votre sérieux, votre dynamisme, et surtout avec une volonté agissante et le souci des résultats. J'en dirai pareil pour le directeur général adjoint. Que je l'ai suivi un peu à l'arcaille. On ne se connaît pas vraiment, mais ses actions disent beaucoup de lui. Là, je dois m'assurer, et je vous assure également, que il n'y aura pas de conflit entre ces deux directeurs généraux, car les principes hiérarchiques vont prévaloir. Et je ne serai jamais sollicité pour gérer quoi de conflit entre ces deux frères. Il y a aussi lieu de continuer avec le processus de renforcement de capacité institutionnelle du SNGRS que mon ami, je salue ses efforts, son courage, son dynamisme, le DG sortant, en a entamé et à tracer des sillons. Sans compter l'obligation que nous avons de travailler ensemble avec le ministère de l'Environnement ainsi que tous les autres ministères sectoriels concernés, tous les acteurs du privé et nos partenaires de l'international pour revitaliser ce secteur. Comme je l'ai dit tantôt, le SNGRS est un pilier essentiel pour le MDE dans la mise en œuvre de la politique nationale de gestion des déchets, mais aussi dans le cadre de la lutte nationale contre les changements climatiques à travers l'instrument développé qui est la contribution déterminée au niveau national en matière d'atténuation des risques climatiques. Pour avoir été déjà à la tête du SNCRS, Service national, Service métropolitain de collecte de résidus solides, à présent, mes plus vifs remerciements s'étendent à son Excellence le Premier ministre, le Dr. Ariel Henry, pour sa grande confiance placée en ma personne en me désignant à ce poste à un moment particulier et difficile de notre histoire du peuple. Plus que jamais, aucun effort ne doit être aménagé. Ménager pour relever les défis de l'heure. Mesdames et messieurs, l'aspect actuel de nos villes nous invite à répondre à cet impératif catégorique, c'est-à-dire permettre aux usagers de la voie publique
de pouvoir évoluer dans un meilleur environnement. Ce, selon le vœu de la mission créant cette nouvelle entité, le SNGRS, Service National de Gestion des Résidus Solides. Car, au même titre que tous les autres biens, la salubrité en est un. Mesdames, Messieurs, un simple coup d'œil sur l'état hygiénique du pays laisse, dans tout le pays, laisse à désirer. Et le gouvernement dirigé par M. Ariel Henry veut adresser cette question de manière immédiate par la nomination de cette nouvelle administration. Nous tous connaissons fierté peuple haïtien couvri en bafatra totalement. Quel que soit le niveau d'étude, valait l'argent que tu as gagné, classe sociale que vous croyez ou n'avez pas obtenu là-dedans, seule possibilité ou gagne aujourd'hui pour rejoindre fierté, c'est collaborer avec SNGRS pour gérer Fatra dans le pays. Sous parole ça yo, nous dit respect pour mon Dieu la vie, respect pour les haïtiens. M'a remercier Premier ministre Ariel Henry pour possibilité lui offrir pour me servir pays dans une institution si noble tant que SNGRS, Service National de Gestion des Résidus Solides, qui c'est une institution travaille pas là, c'est lui-même en quelque sorte qui va sauvegarder dignité comme peuple. Nous tous connaissons, dans quel que soit pays où passer sur la terre, si vous besoin qu'on niveau compréhension peuple là, vous pas besoin ni sociologue ni psychologue, juste jeter un coup d'œil sur l'environnement. Dans la RIA, ou a gagné une idée. Nous d'accord que niveau fatra hier dans le pays d'Haïti, li lagé nous dans la RIA.